Le prophète est dans la magie, le prophète est dans l'occultisme, le prophète est l'œil du devant, troisième œil, le prophète est tout ce que les gens peuvent dire là. Vous savez, vous pouvez appeler le prophète n'a pas répondu, il était occupé. Mais Dieu est toujours disponible. Appelez Dieu, posez la question à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui marche avec votre nom ici au Congo. Il dit qu'il est votre serviteur. Est-ce que réellement le prophète Fulgence est votre serviteur? C'est ce que j'attends. J'attends que quelqu'un fasse une émission et assume devant le Dieu créateur du ciel et la terre, qu'il dise de sa bouche, j'étais en prière, Dieu m'a dit que le prophète là, qui est Papa Alain, il a l'habitude de recevoir, qui s'appelle Fulgence Koussou, est occultiste et dans le noir. Je veux vraiment que quelqu'un le dise et en soulignant que Dieu, le créateur du ciel et la terre, l'a dit. Comme ça. Moi, je parle au nom de ces dieux-là, non? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui aussi vient qu'ils disent que c'est le même Jésus-là que moi je prêche, le même Jésus de la Bible et qu'il a dit ça. Et après, après maintenant, le monde verra qui est le vrai serviteur de Dieu parmi les dieux. Moi, je n'ai pas dit que je suis vrai. Je te demande, Sambela Tunanzam. Si Dieu te dit que je suis faux, les cas. L'Oba, je l'ai dit en lingala, passe, dit, Dieu m'a dit, le créateur du ciel et la terre, le Jésus que nous prêchons, le Dieu de la Bible, le Jésus qui a été crucifié, mort, ressuscité, m'a dit que Fulgence est dans la magie. Passe, dit ça et souligne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et après, moi et toi, c'est Jésus-là que tu vas citer, le nom sera juge entre moi et toi. Et après, 1 mois, 2 mois après, on verra entre moi et toi qui est réellement serviteur de Dieu. Donc, et puis ça passe. Mes soeurs, ma famille, ça peut pas bouger ma famille, ça c'est rien, ça peut pas bouger, ça peut pas secouer ma famille. Au contraire, on rit, vous voyez, on rit et puis on polémique sur ça et tout parce qu'on s'est dit, mais les hommes de Dieu. Tu vois, on a prophétisé sur le Congo. La prophétie qu'on a donnée n'intéresse pas les gens. Ce qui intéresse les gens, c'est ce qu'on a dit avant la prophétie. Alors que la prophétie vient pour consoler, édifier. Vous voyez, nous, on ne veut pas des édifications. On veut savoir ce que le prophète, son interprète avait dit avant. Vous voyez, tout ça, bon, c'est vraiment Papa Alain. Je ne peux pas me tenir ici, critiquer un serviteur de Dieu. Tout celui qui s'est fait appeler serviteur, qu'il soit dans le bon, qu'il soit dans le faux. La Bible dit, le blé est livré, le maître de la moisson s'est décidé de les laisser croître ensemble. C'est à lui de juger. Il faut suivre mes prédications. Je prêche tous les jours. Et si vous demandez à mes enfants de l'église la prière du prophète Fulgence, quand je prie, je pleure, je dis une chose à Dieu. C'est tout le monde qui connaît, peut-être pour Yébian, parce que tu m'as côtoyé. Je dis toujours à Dieu, Seigneur, je ne m'irai pas. Qu'au dernier jour, me retrouver dans les camps de personnes que tu as rejetées. Prière en anglais à la langue que naie bana Kinshasa. Prière en anglais à la que le monde m'acclame pendant que le ciel sera en train de pleurer à cause de moi. Mais ma prière est que le ciel m'acclame pendant que le monde pleure à cause de moi. Quand il y a des émissions autour de moi, c'est un occultiste, c'est un magicien, c'est un tout, c'est le monde. Mais à ce moment-là, le ciel regarde et témoigne. Le ciel regarde et rend témoignage. Papa, Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ de Nazareth. Et il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui l'a dit. Mais quand Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison, il a envoyé ses disciples aller demander, c'est lui le Messie qui devrait venir ou bien on doit attendre un autre Messie. Jean-Baptiste a oublié la voix qu'il a entendue pendant le baptême, la voix qui disait, celui-ci est mon fils. Vous comprenez, c'est la nature de l'homme. C'est la nature de l'homme. Ce n'est pas tout le monde qui doit t'acclamer. Moi, les gens qui me critiquent me poussent à chercher Dieu et à chercher Dieu davantage. Que j'aille encore suivre qui a dit quoi sur moi, qui a dit ceci, non. D'ailleurs, même ceux qui me suivent, c'est vous qui avez l'habitude de m'envoyer prophète. Voilà l'émission qui a été tournée, mais nous, on croit en toi. N'ayez même pas le temps de m'envoyer ça, parce que envoyez-moi vos requêtes au lieu de m'envoyer les opinions de gens sur moi.
Comme je l'ai dit dans l'émission passée, j'ai le temps pour des gens qui ont besoin de Jésus-Christ et de Nazareth. J'ai le temps pour des gens qui ont des problèmes. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Mmh. Ce n'est pas à moi, Fulgence, mais c'est à Jésus. Moi, je suis le moindre, donc le plus petit, tout ce que vous voulez, j'accepte ça, mais seulement j'ai fait mon travail d'intercesseur. Un prophète, il est écrit dans Jérémie, s'ils sont prophètes, qu'ils intercèdent. Ce n'est pas écrit, s'ils sont prophètes, qu'ils prophétisent. Ce que j'aime de plus, c'est intercéder. Même vous qui me suivez, quand vous m'appelez, est-ce que je vous donne des prophéties? Je ne donne pas de prophéties. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment dans la sœur Cathy Munga, Nazali naturothérapeute, Nazali Kosura Bandeko Bazali na bokoni ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïde interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règle douloureuse, glaucome, vision floue, moutou pas si intense, sinusite. Awa, nazana kati ya laboratoire. Awa, ndebisika na sechaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga, ya ngoyo, esika na salaka, ba formi, na ba solution na nga. Merci na ekipi mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Carrie Grèce. Le Bikonabino et Sengonabiso. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, nous vous formons également. Et ces grands magazines nous donnent une partie de divertissement qui est bien sûr très modérée. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout à travers le monde. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous précisons qu'à la prise de vue, vous avez Gédéon, Loé qui est là. La réalisation, comme d'habitude, Jordan Panzou et Jonan Zouzi. Donc, je crois que c'est avec cette équipe que nous allons travailler. Alors, ne nous tenez pas à rigueur parce que le corps ne répond pas correctement. Mais nous sommes obligés de vous servir parce qu'on n'avait pas de choix. Et surtout, que nous sommes en train de nous battre pour cette activité qui, d'ailleurs, fait parler tout le monde et puis beaucoup de gens attendent à ce que cette activité puisse avoir lieu afin que notre cher et beau pays puisse quand même traverser un temps de paix, bien sûr. Nous parlons de la Fondation des Le Cœur de la Nation qui est représentée par Maman Marie M5 depuis Liège, que nous saluons. Maman Marie, merci beaucoup. Merci également à toutes ces personnes qui ont toujours choisi une nouvelle tendance télévision comme chaîne d'attache. Et si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement. Cela s'est fait gratuitement. Il suffit tout simplement de toucher sur le bouton, c'est écrit en rouge, s'abonner. Juste à côté, vous verrez une cloche. Touchez sur la cloche et vous verrez toute notification. Juste après avoir touché, vous serez compté parmi nos abonnés. Nous allons prendre les images de l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur et nous allons nous retrouver tout juste après suivant. Bonjour de partout, Bozolanda Bisso. Moi, c'est le prophète Boanerges Kizika. Toye Awa, parce que Toyoka Kimingi na Masolo, Petomola Kina Bilili. Comment est-ce que Papa Alain Dele, Azalaki Kusunga, ba orphelin, ba veuve, ba fille, mère, ba o basanke kibisika kolala, ba zanaki akolata yakolia. Et par la grâce du Seigneur, nous allons permettre en sorte que et si kao ezoama tant que toka kimbela vraiment tous ces décidants qui toko ma sur place tout mon aesika na lingina passé appel na yozo landa biso. Vous savez, la Bible révèle dans Deutéronome que oazo azo porter atteinte na ba bien o ezo revenir na orphelin na veuve et tout ça. Bible ezo lobaka kozala malheureux. Maintenant, la question que je veux vous poser maintenant, c'est que ceux qui m'ont porté atteinte, na ba ezo zongi la orphelin ba veuve à cause à la malheureux, à combien plus forte raison oyo azo sunga bango. Donc il y a une bénédiction qui est attachée à ça. Alors j'aimerais te passer ce message de pouvoir soutenir cette œuvre. Vous savez, cela n'est pas donné à tout le monde. Si Dieu a permis na ngolu na ya pesa
papa l'aide les moté maya boye. En tout cas, ezana d'âge moko na lingala balobara que musapi moko elongola facilité. Alors tous ensemble, je pense que nous pouvons soutenir cette œuvre. Tous ensemble, je pense que tokoki ko sunga bande koyo ba orphelin ou bana na biso lobi bazala batu. Et ça serait pour notre bénédiction. Alors, tu peux contribuer par Mbongonayo, par Elamba Kolata, par Yakulia. Je pense que le Seigneur ne resterait pas silencieux face à un tel acte, face à un tel geste. Alors que Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà en train de nous suivre. Bino Bozo s'est décidé déjà de pouvoir soutenir cette œuvre. Alors, j'aimerais ici déclarer sur les 150 personnes qui vont déjà se mobiliser, mettre leur argent, mettre tout ce qu'ils peuvent mettre pour soutenir ces enfants. J'aimerais déclarer sur vous, je ne sais pas dans quel pays où vous êtes, mais j'aimerais déclarer sur les 150 personnes qui vont se décider de pouvoir soutenir cet orphelinat qui vient de s'installer. J'aimerais déclarer sur vous que vos paniers ne vont jamais sécher. J'aimerais déclarer sur vous que le ciel ne restait jamais silencieux face à un tel acte. Voilà, que Dieu vous bénisse très abondamment. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi les images. Infiniment merci à vous qui nous suivez partout à travers le monde. Vous qui êtes au Gabon, merci. Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, Mali, à Madagascar, ceux qui sont en Égypte, en Tunisie, au Maroc, vous êtes vraiment nombreux, vous qui nous suivez en Europe. En tout cas, infiniment merci, parce que nous avons constaté d'ailleurs que nous sommes vraiment aimés et que vous avez l'habitude de nous suivre et régulièrement. Alors, nous allons faire cet exercice comme d'habitude. Faites le partage de cette vidéo et aussi faites des commentaires positifs, bien sûr, pour nous encourager. Alors, pour que les gens sachent réellement que vous aimez Dieu, vous êtes enfant de Dieu, shalom, de partout où vous nous suivez. Nous avons un réel plaisir d'avoir sur ce plateau un serviteur de Dieu que d'ailleurs tous vous connaissez. Et puis, depuis un certain temps, tout le monde parle de lui. Comment est-ce que le Seigneur est en train de l'utiliser? Tout le monde parle de Jésus-Christ de Nazareth qui est aujourd'hui élevé, bien sûr, à travers son serviteur. Merci beaucoup à vous. Il s'agit du prophète Paul Fulgence Nkoussou, le responsable de l'église Emmanuel Rafa Church, et également le visionnaire de ministère La Main Puissante de Dieu, MPD en sigle. Il est avec nous sur ce plateau. Avec lui, nous aurons touché plusieurs points, bien sûr, en ce qui concerne ces grands événements. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Alain, merci beaucoup. Ça va? Oui, très bien. L'église, parce que depuis un certain temps, les gens posent beaucoup plus de questions de savoir l'adresse de l'église. Comment les gens arrivent quand même, ou bien qu'est-ce que vous avez constaté? Bon, on est en train de se battre jusque-là à gérer le peuple que Dieu a mis à notre disposition. Il y a des messages que je vois après, il y a des messages que je réponds directement pour donner l'adresse. Ben, je crois qu'on va trouver un moyen, je ne sais pas, pendant même les émissions, si possible, qu'il y ait la bande passante de l'adresse de l'église, et même pendant nos lives de culte, que l'adresse de l'église passe. Parce qu'il y a des moments où nous sommes même à l'église, pendant le culte, les gens appellent mon numéro, et à la fin du culte, tu regardes le message. Il y a des gens qui étaient déjà non loin de l'église oh, et qui ont raté les cultes parce que je n'avais pas répondu. Donc, ça fait mal, mais bon, on est en train de nous préparer, et pour préparer aussi l'organisation de toutes choses pour les enfants de Dieu. Voilà, beaucoup cherchent à vous atteindre, tout le monde veut être en contact bien sûr avec le prophète. Sinon, il y a ceux-là qui ont toujours loupé, qui n'ont pas eu peut-être cette chance. Je reçois des appels, non. Papa, j'ai une urgence, papa, j'ai une urgence, voilà. Vous avez un message quand même particulier à toutes ces personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui se sont dit non, moi je n'appelle plus le prophète parce qu'il ne me prend pas, je ne sais plus si j'ai un problème ou quoi, je laisse. Alors, vous avez un message particulier à toutes ces personnes? Ouais, j'ai un message particulier à tout le monde. Enfant de Dieu, je suis là quand on donne le numéro sur
les réseaux sociaux où on expose les numéros, c'est pour vous. C'est parce qu'on veut que vous soyez en contact avec nous. Si on ne voulait pas, on n'allait pas afficher le numéro. Si on ne voulait pas, on n'allait pas donner le numéro. Donc, ce qui se fait que c'est tout le monde qui veut parler avec le prophète et au même moment. Et je n'en veux pas aussi ceux qui nous suivent parce que les gens ne connaissent pas le programme du prophète, ne connaissent pas le programme du culte. Je m'étais dit, je vais passer aussi pour en parler. Je vais essayer de travailler avec vous pour que ça ne soit pas... J'avais appelé le prophète n'avait pas pris. Le mardi et le jeudi, ces deux jours, je vais commencer à recevoir des appels de 8h jusqu'à 18h. Donc, je vais vraiment rester là en train de recevoir les appels mardi et jeudi de 8h jusqu'à 18h. Le mercredi et le vendredi, souvent, on a culte. Il y a des gens, si vous m'appelez le mercredi ou le vendredi après 15h, vous n'allez pas m'avoir au téléphone. S'il y a une urgence mercredi ou vendredi, soit vous m'appelez avant 10h le matin ou soit vous m'appelez après 10h. Donc, c'est-à-dire de 22h à 0h. Pour ceux qui sont en Amérique, avec le décalage de 8h à 12h, mettons à 10h. Non, mettons de 8h à 10h pour ceux qui sont en Afrique ou en Europe. Donc, vraiment, excusez-nous, c'est indépendamment de notre bonne volonté. Appelez-nous mardi et jeudi de 8h à X time, la nuit, vous allez à 18h, vous allez m'avoir. 8h à 18h, mardi, jeudi, vous allez m'avoir. Mais de l'autre jour, laissez un message avant d'appeler. Tu peux appeler, je suis dans un bureau, tu peux appeler, je suis en train de prier. Si tu me laisses un message, je te dirai appelle ou attends. Donc, mais excusez-nous, on a aussi donné beaucoup de rendez-vous, on n'a pas respecté, dans le sens où quelqu'un t'appelle, tu dis, tu vois par exemple là, tu es pressé, tu dis juste, rappelle-moi dans une heure, sans tenir compte. Et ici, on me retient plus d'une heure. Et la personne sera en train d'appeler mes prophètes. Toi-même, tu avais donné rendez-vous. J'appelle, mais non, tu ne réponds pas. Donc, on est en train vraiment de travailler sur ça, arranger tout pour qu'il n'y ait plus des plaintes dans ce sens. Et voilà. On va arranger ça, je crois, après les quatre. On vous donnera peut-être deux numéros. Si vous ratez le prophète, vous loupez le prophète, au lieu d'aller avec Alain Délé, je vais donner après les quatre le numéro de mon assistant qui est toujours avec moi. Si vous me ratez, vous pouvez l'appeler. Lui vous dira non, à ce moment, le prophète est en train de prier. Ou à ce moment, le prophète est en train de prêcher, par exemple. Parce qu'il y a des gens qui t'appellent même quand tu prêches. Vous voyez? Donc, on est en train d'arranger ça. Bientôt, tout sera arrangé. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète. Alors, du coup, depuis un certain temps, il y a plusieurs langues tout autour de votre personne. Les émissions s'est multipliées, bien sûr. Certains disent, mais non, pourquoi les prophètes ne réagissent pas et tout ça, qu'ils gardent calme, tout ça. Mais du moins, il y a aussi certaines personnes qui s'inquiètent. Pour vous, est-ce que le prophète a vraiment bonne mine? Est-ce que ça va vraiment au point ou comment? Sinon, face à tout ça, comment réagissez-vous? J'ai été préparé à ça. Ça ne m'étonne pas trop. Pour ceux qui se plaignent ou ceux qui s'inquiètent pour le prophète va très bien. Le prophète est en forme. Déjà, le jour où j'ai accepté de suivre Jésus, la Bible dit... C'est lui qui veut me suivre, se charge de sa croix. J'ai accepté de transporter la croix. Tu vois, la Bible dit, c'est lui qui veut me suivre, qui se charge de sa propre croix. Pas de la croix de Jésus, mais de ta propre croix. C'est-à-dire, voilà, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de l'expérience et ça me pousse à chercher Dieu davantage, ça me pousse à avancer. Donc, je vais bien. Et il faut plus suivre ça. J'ai dit comme j'ai dit la fois passée, c'est lui qui pense que le prophète est dans la magie, le prophète est dans l'occultisme, le prophète est l'œil du devant, troisième œil, le prophète est tout ce que les gens peuvent dire là. Vous savez, vous pouvez appeler le prophète n'a pas répondu, il était occupé. Mais Dieu est toujours disponible. Appelez Dieu, posez la question à Dieu.
Seigneur Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui marche avec votre nom ici au Congo. Il dit qu'il est votre serviteur. Est-ce que réellement le prophète Fulgence est votre serviteur? C'est ce que j'attends. J'attends que quelqu'un fasse une émission et assume devant le Dieu créateur du ciel et la terre, qu'il dise de sa bouche, j'étais en prière. Dieu m'a dit que le prophète là, que papa Alain Lé a l'habitude de recevoir, qui s'appelle Fulgence Koussou, est occultiste et dans le noir. Je veux vraiment que quelqu'un le dise et en soulignant que Dieu, le créateur du ciel et la terre, l'a dit. Comme ça, moi je parle au nom de ces dieux-là, non? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui aussi vient qu'il dise que c'est le même Jésus-là que moi je prêche, le même Jésus de la Bible et qu'il a dit ça. Après maintenant, le monde verra qui est le vrai serviteur de Dieu parmi les deux. Moi, je n'ai pas dit que je suis vrai. Je te demande, Sambela Tunanzan. Si Dieu te dit que je suis faux, Leka, Loba, je l'ai dit en lingala, passe, dit, Dieu m'a dit, le créateur du ciel et la terre, le Jésus que nous prêchons, le Dieu de la Bible, le Jésus qui a été crucifié, mort, ressuscité, m'a dit que Fulgence est dans la magie. Passe, dit ça et souligne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et après, moi et toi, c'est Jésus-là que tu vas citer le nom, sera juge entre moi et toi. Et après, un mois, deux mois après, on verra entre moi et toi qui est réellement serviteur de Dieu. Donc, merci beaucoup, Chevalier. Voilà. Tout à l'heure, vous avez anticipé quand même quelques phrases par rapport à tout ce que j'avais posé comme question d'ailleurs. Non, mais vous pouvez poser. Je vais quand même poser la question parce qu'il y a une polémique qui tourne tout autour de vous. Et je vis certaines personnes qui ont dit d'ailleurs... il ne faut même pas douter, il n'est pas de Dieu. S'il est de Dieu, posez-lui la question, il aura du mal à citer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bizarrement, depuis que vous étiez là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Bon, je pose quand même la question parce que... Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach. Je ne sais pas, vous voulez que je dise ça, comment? Si tu veux, comment on dit ça? Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Yeshua HaMashiach. Vous voulez quoi d'autre que je dise? Papa Alain, il ne faut pas suivre ça. Ce sont des distractions. Mais en fait, c'est ce qui étonne les enfants de Dieu. Cette manière de voir les choses. Vous savez, certaines personnes qui prétendent être serviteurs de Dieu, entre guillemets, on écrit là-bas prophète, pasteur, bishop, évêque, évangéliste. Mais ce sont ces mêmes personnes qui sont en train de faire la calomnie, en fait. Qui se passent pour... qui font des jugements, qui se disent, non, il n'est pas de Dieu. Il y a même un serviteur de Dieu qui m'a dit, on l'observe. Je pose la question, vous observez qui demande au pourquoi, Saint-Esprit. Au lieu de passer directement, parce qu'il n'y a plus de barrière, en fait. Celui qui a besoin de Jésus-Christ de Nazareth n'a plus de barrière. Pourquoi alors observer quelqu'un au lieu d'aller directement au but? Bon, papa Alain, bon, la Bible l'a dit, hein, la Bible nous a prévenus de tout ça. Les apôtres qui ont suivi et qui ont servi Jésus, vous savez comment ils ont fini. Sinon, ça ne dérange pas la famille, votre propre famille, parce que ma famille. C'est vrai, vous avez quand même deux frères, sœurs qui ne sont pas forcément pasteurs. Ma famille, qui ont l'air vie, mais... Ma famille, 80% des garçons sont des serviteurs de Dieu. Il y a des pasteurs, il y a des évangélistes. 80% des femmes sont des mamans pasteurs. Donc, c'est-à-dire, Henri d'ailleurs, il y a ma petite sœur, je salue d'ailleurs en passant, Laetitia. Laetitia Nkoussou, aujourd'hui, elle est Laetitia Mbaki, donc la femme d'Eridi à Lubumbashi. Elle, maintenant, quand elle m'appelle, c'est bon. Lady Vent. Lady Devant. Tu vois, Henri, maintenant, c'est devenu un sujet. Non, Lady Devant par rapport à quoi? Par rapport à ce que c'est dit? Ouais, c'est que c'est dit. Ah, ok. Voilà, donc Henri, maintenant, Henri par rapport à sa Henri, et puis ça passe. Mes soeurs, ma famille, ça ne peut pas bouger, ma famille, ça. Ça, c'est rien. Ça ne peut pas bouger. Ça ne peut pas secouer ma famille. Au contraire, Henri, vous voyez, Henri, et puis en polémique sur ça et tout. Parce qu'on s'est dit, mais les hommes de Dieu, tu vois, on a prophétisé sur le Congo.
la prophétie qu'on a donnée n'intéresse pas les gens. Ce qui intéresse les gens, c'est ce qu'on a dit avant la prophétie. Mmh. Alors que la prophétie vient pour consoler, édifier. Vous voyez, nous, on ne veut pas des édifications. On veut savoir ce que le prophète, son interprète avait dit avant. Vous voyez, tout ça, bon, c'est vraiment papa Alain. Je ne peux pas me tenir ici, critiquer un serviteur de Dieu. Tout celui qui se fait appeler serviteur, qu'il soit dans le bon, qu'il soit dans le faux. La Bible dit, le blé est livré, le maître de la moisson s'est décidé de les laisser croître ensemble. C'est à lui de juger. Il faut suivre mes prédications. Je prêche tous les jours. Et si vous demandez à mes enfants de l'église la prière du prophète Fulgence, quand je prie, je pleure, je dis une chose à Dieu. C'est tout le monde qui connaît, peut-être pour Yébian, parce que tu m'as côtoyé. Je dis toujours à Dieu, Seigneur, je n'aimerais pas qu'au dernier jour, me retrouver dans les camps de personnes que tu as rejetées. Prière l'anglais à la langue qui n'aille pas à Kinshasa. Prière l'anglais à la langue qui... Le monde m'acclame pendant que le ciel sera en train de pleurer à cause de moi. Mais ma prière est que le ciel m'acclame pendant que le monde pleure à cause de moi. Quand il y a des émissions autour de moi, c'est un occultiste, c'est un magicien, c'est un tout, c'est le monde. Mais à ce moment-là, le ciel regarde et témoigne. Le ciel regarde et rend témoignage. Papa, Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ de Nazareth. Et il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean, hein? Jean-Baptiste qui l'a dit. Mais quand Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison, il a envoyé ses disciples aller demander. C'est lui le Messie qui devrait venir ou bien on doit attendre un autre Messie? Jean-Baptiste a oublié la voix qu'il a entendue pendant le baptême. La voix qui disait, celui-ci est mon fils. Vous comprenez? C'est la nature de l'homme. C'est la nature de l'homme. Ce n'est pas tout le monde qui doit t'acclamer. Moi, les gens qui me critiquent me poussent à chercher Dieu et à chercher Dieu davantage. Il y a des défis, il y a des gens qui ont des problèmes, des enfants autistes. Je porte leur croix là, je prie avec eux. Et que j'aille encore suivre qui a dit quoi sur moi, qui a dit ceci. Non. D'ailleurs, même ceux qui me suivent, c'est vous qui avez l'habitude de m'envoyer prophète. Voilà l'émission qui a été tournée, mais nous, on croit en toi. N'ayez même pas le temps de m'envoyer ça, parce que envoyez-moi vos requêtes au lieu de m'envoyer les opinions de gens sur moi. Comme je l'ai dit dans l'émission passée, j'ai le temps pour des gens qui ont besoin de Jésus-Christ et de Nazareth. J'ai le temps pour des gens qui ont des problèmes. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas à moi, Fulgence, mais c'est à Jésus. Moi, je suis le moindre, donc le plus petit, tout ce que vous voulez, j'accepte ça, mais seulement, j'ai fait mon travail d'intercesseur. Un prophète, il est écrit dans Jérémie, s'ils sont prophètes, qu'ils intercèdent. Ce n'est pas écrit, s'ils sont prophètes, qu'ils prophétisent. Ce que j'aime de plus, c'est intercéder. Même vous qui me suivez, quand vous m'appelez, est-ce que je vous donne des prophéties? Je ne donne pas de prophéties. Tout le monde qui m'appelle prophète, je vais savoir Dieu dit quoi pour moi. Je dis, donne-moi ton sujet de prière, je vais prier. Pourquoi? Parce que tout d'abord, je suis intercesseur. C'est en intercédant. Plus tu pries, donc plus tu es en train de prier, plus Dieu t'ouvre les yeux. Plus tu es en train de prier, Dieu t'ouvre les oreilles par rapport à la situation de la personne. Si aujourd'hui, moi, je prophétise pas seulement pour le pays, papa Alain Délé. Je peux taper la poitrine. Dieu m'a fait grâce. Je prêche la parole de Dieu. Je prêche les retours de Jésus. Je prêche la sanctification. Je prêche la Bible dans sa totalité. Un. De deux, Dieu me parle de vie des gens avec détail, précision. Vous voyez? Précision, mon van du mobile. C'est quoi ça? Vous comprenez? Et... Je ne fais pas la pub de tout ça. Moi, mon problème est que ton problème là, au Yozanango, n'a pas de témoignage. J'ai déjà beaucoup de témoignages de femmes qui faisaient des fausses couches, de l'école de guérison, qui ont déjà des enfants. Demain, on va bénir d'autres enfants à l'église. Donc, moi, j'aime ça. Que quelqu'un qui était venu vers moi avec un problème et Dieu l'a donné la solution. Donc, je suis là. Mon père, ma mère sont morts du cancer. J'ai dit à Dieu, moi, cancer, c'est ce que je cherche. Vous comprenez? Je prie pour tous les cas. Mais quand je sens
quand je sens quelqu'un m'apporter un sujet, par exemple, il y a cancer, je sens vraiment Nzambe vivement magambongo yango. Parce que j'avais dit à Dieu, personne d'autre ne passera sur mon chemin qui souffre de cette maladie et mourra. J'ai déjà perdu mon père, j'ai déjà perdu ma mère. Vous comprenez? Et révoltant, et si nangana lukanzambe, na lukanzambe davantage. Les gens me connaissent aujourd'hui. Et je peux le dire, Dieu est passé par Alain Delé pour que je sois connu. Les gens ne savent pas. Un jour, je vais montrer sur nos conversations sur WhatsApp. Mmh. Combien tu m'as serré, combien tu m'as secoué pour que je commence à passer à la télé. Les gens oublient comment est-ce que même je descendais à l'église sans appeler, sans tout prévenir. Ça, tout ça, il faut. Oui, donc combien de journalistes internet qui m'ont même proposé gratuitement de passer dans leurs émissions pour tourner. Combien, même ceux qui sont en Europe, ceux qui sont à Kinshasa, je ne tourne qu'avec vous. Si je voulais vraiment la visibilité, j'allais tourner avec tous ces gens-là. J'allais faire les émissions par-ci, par-là, pour Jésus, que Jésus-Christ de Nazareth soit élevé, pas moi. Je n'ai pas le temps pour ça. Je dis ça dernièrement. Le prophète Denis Lessi a dit qu'il en espace. La TV Tongo, pourquoi les Kaningolingi? Je pouvais me faire un nom. J'ai arrêté ça. Vous comprenez? Et aujourd'hui, j'ai de bonnes relations avec des gens. Par exemple, papa Roger Bacca, je donne l'exemple. Il m'a déjà dit, si tu as un message, tu as tout ce que tu veux, et les Kanachen, Nanga, mon petit frère, viens. Je ne suis jamais allé. Le Neve National, Daddy, il a une chaîne. On est très proches. Il me dit, si tu as une chaîne et salama, toi, non, Sambelana, une chaîne et salama, tu m'as déjà vu passer là-bas? Non. Beaucoup de gens, je reçois des invitations chaque semaine. J'ai reçu l'invitation même de la RTNC. RTNC pour parler de ces histoires. Je ne suis pas parti. Je ne cours pas après la visibilité. Mais c'est cette manière de travailler, c'est ce qui dérange un peu certaines personnes parce qu'on vous appelle, on le sait d'ailleurs, nous qui connaissons le prophète depuis des années et des années. Alors on se dit. Du fond, en plein culte comme ça, il y a le prophète qui prophétise, qui parle d'une personne avec des détails, avec précision et tout. Mais du fond, quand on vous appelle comme ça, vous ne voulez pas prophétiser. C'est ce que les gens disent, mais papa, là, j'ai appelé le prophète, je lui dis qu'il parle de ma vie, il n'a rien dit. C'est vous qui refusez de dire quelque chose ou bien c'est parce que Dieu ne vous a pas encore donné le message? Écoutez, un prophète n'invente pas, ne crée pas, il reproduit ce qu'il voit. Dieu demande à Moïse de construire le tabernacle. Dieu a donné à Moïse le modèle du tabernacle. Et puis les enfants de Dieu doivent savoir. Aujourd'hui, beaucoup de gens, même à l'Europe, on a manipulé beaucoup de gens parce qu'ils sont trop accros de la prophétie. Il ne faut pas être accro de la prophétie, il faut être accro de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, à l'église que je dirige, je n'ai pas un jour où je dis consultation prophétique. Il n'y a pas. Je ne reçois pas. Je reçois les gens à l'église les dimanches. Papa, tu fréquentes l'église. Quelle est la condition pour que le prophète te reçoive à l'église? Assister au culte et à la fin. Soyoki maté anangate sikoza na poso yoka. Je ne suis pas un bikoudi. Je suis un serviteur de Dieu. La mission que Dieu m'a donnée, c'est de faire de toutes les nations les disciples. Comment on fait de quelqu'un un disciple? Ne pas en le donnant. Dieu me dit, tu t'appelles Ingrid. Dieu me dit, tu as tel problème. Non. On fait de toutes les nations les disciples en l'apportant la bonne nouvelle du royaume. Ouais. La prophétie ou le don de la parole de connaissance vient attester, vient accompagner ce que tu es, vient accompagner la provision ou le message que tu as. D'abord, je suis serviteur de Dieu. Déjà, je crois, ce qui prie chez moi. Je ne suis pas de genre de prophète qui prophétise à tout moment. Dieu dit. Non, moi quand je te dis des choses, c'est ce qui va arriver. Comme je suis en train de dire là pour la sœur ici, comment elle s'appelle encore? De Majabu. Faver Moukoko. Ce que je dis là, c'est ce qui va arriver. Kinshasa, aujourd'hui, ceux qui connaissent cette sœur, Faver Moukoko, soignez relation. Parce que demain, pour la voir, ça sera un problème. Mais je prie seulement que ses pères spirituels, ses encadreurs, fasse un bon travail pour qu'elle ne devienne pas musicienne chrétienne, qu'elle reste adorateur, qu'elle reste adoratrice, qu'elle reste enfant de Dieu, vous voyez, que ça ne devienne pas un business, mais qu'elle utilise la voix pour amener les enfants de Dieu dans le trône de Dieu, devant la présence de Dieu.
Donc c'est ça. Papa Alain, que les gens montent, que les gens descendent, que les gens aillent à gauche, à droite. Même les gens sont en train de voir qu'ils vont couper une émission des mots pour sortir le contexte et créer des histoires. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Je suis dans le faux, oui. Mais et toi qui vas, tu suis une émission que j'ai fait avec Alain Délé. Je parlais de quelqu'un qui parlait en langue, en train de... Mais elle était lesbienne. Ah oui. Tu coupes juste cette partie. Vous voyez? Dans son église. Non, il faut suivre toute l'émission. Et toi, tu as suivi toute l'émission. Tu es serviteur de Dieu. Je te respecte beaucoup. Mmh. Mais tu as coupé juste une partie pour tordre le sens. Mmh. Moi et toi qui est vrai, moi et toi qui est faux. C'est ça les problèmes, cette manière. Ouais. Tu es enfant de Dieu. Les gens croient en toi. Tu prêches bien, tu as le message. Mais tu peux me donner 101 conseils. Tu vas donner de bons conseils, des bons conseils. Mais seulement. Le fait de sortir une phrase que j'ai dite du contexte. Tu n'as pas publié toute l'émission. Tu as juste sorti une partie pour en faire une doctrine. C'est ça le secte. Le secte, c'est quoi? Quand tu prends une partie de l'écriture, tu en fais une doctrine. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le secte. Ouais. Quand tu fais ça à ton frère de ta génération que tu aimes, tu le sais du fond de ton cœur, le Saint-Esprit qui est en toi, te rappelle que non, ce n'est pas ce qu'il avait dit. Mais tu le fais quand même. Tu vois pas que tu vois pas que c'est pas y a bien tes amis, c'est pas bien au milieu des enfants de Dieu. Voilà. Un jeu de mauvais. Tu le sais, le Dieu que tu prêches là, tu le sais quand tu as genoux. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Si 200 000 personnes ont suivi cette émission, t'ont vu toi serviteur de Dieu, tu as pris le témoignage que ton ami, ton frère donnait, tu as tordu le sens, tu as renversé le sens. Les dieux là, ces âmes là qui sont choquées, qui ont insulté ces prophètes là parce que toi tu as dit ça. Est-ce que Dieu vraiment que tu prêches là est content de toi? Est-ce que Dieu est content de toi? Et en faisant tout ça, on croit nuire le prophète. Le prophète. Mais alors que non, c'est combattre le Seigneur Jésus-Christ. Dis-toi, papa Alain, quand tu fais ça, tu changes le sens. Tu coupes la vidéo pour donner une image. Lui-même a dit ça. Suivez, le prophète est en train de parler. Il a dit ça, mais ce n'est pas toute la vidéo que tu as publiée. Juste une partie. Il fallait tomber à la finalité parce que c'était un témoignage que je donnais. Mm. Tu publies ça pour nuire ton frère. Toi-même, pose-toi la question. Ton frère qui sert Dieu, pose-toi la question. Tu sers Dieu? Tu sers Dieu ou tu sers quelqu'un d'autre? Moi, j'accepte encore que tu m'appelles, tu m'encourages. Ah, prophète Fulgence, je crois en toi, je vois que Dieu est en train de te monter, de monter avec toi, de t'élever. Mais X, Y, Z ne les côtoie pas. Parce que moi, personnellement, j'étais en prière, Dieu m'a dit qu'ils sont dans le faux. Ce n'est pas en les disant à la place publique. Tu détruis les âmes de Dieu. En les disant à la place publique, ça ne changera rien. Prophète, pendant la prédication, vous avez dit, je me rappelle, vous avez dit, quelqu'un peut imposer une saison dans sa vie ou quelqu'un doit attendre seulement la saison. Non, la saison, le mystère du saison, je donne l'exemple, Jésus vient, il trouve le figuier. Le figuier n'était pas à sa saison. Jésus l'a maudit. Pourquoi il a maudit le figuier? Le figuier n'était pas à sa saison. Vous comprenez? La saison, nos genoux peuvent attirer la saison. Nos sacrifices, nos prières, nos jeûnes et prières peuvent attirer nos saisons. Je donne l'exemple à Sarah. Sarah reçoit le visiteur, Sarah leur donne à manger. Et les visiteurs disent quoi? Cette même période de l'année prochaine, tu enfanteras. C'est-à-dire cette saison-là. Il a attiré cette saison. Elle a attiré la saison. Je donne l'exemple encore de Anne. Anne a été stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Elle allait au temple, elle priait, elle pleurait. Le jour où elle a dit que l'enfant que tu me donneras, moi déjà, je te l'offre. Elle a déclenché la saison et l'enfant est venu directement. Tant que Anne n'avait pas prononcé ça, l'enfant ne venait pas.
Merci beaucoup. Je crois que c'était super. Et ce sont les enseignements que nous étions en train de suivre à l'église. Je ne sais pas si c'est fini déjà ou bien. Non, mais je te dis, ça continue. Si Bartimée n'avait pas crié Jésus-Christ, fils de David, Bartimée serait guéri. Dans l'omniscience de Dieu, oui. Mais l'homme a la part, sa part des responsabilités. Il a crié. Et Jésus l'a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? La femme à la perte à son, Luc 8, elle a touché pour déclencher sa saison. Vous comprenez? Zachée, Jésus passait, tout le monde regardait Jésus d'en bas, lui est monté. Il a fait les choses que d'autres personnes ne font pas. Donc, s'il y a certaines personnes que nous, certaines choses que nous vivons dans nos propres vies, des fois on le vit parce que nous-mêmes, on ne veut pas quitter, c'est changer de cap par rapport à notre vie. Ouais. Donc, si un homme est déterminé, peut aussi influencer une saison, venir l'imposer et puis vivre la gloire. Bien sûr que oui. Okay. Bien sûr que oui. Okay. Il y a le temps de Dieu. Le temps de Dieu, Jésus dit à la noce de Cana, la boisson est finie. Jésus dit à Jésus, voilà la fête. Jésus était invité, Marie aussi. Mais Jésus et Marie va chez l'invité. Marie dit, Jésus dit quoi à Marie? Femme, qu'as-tu entre toi et moi? Mon air, mon temps n'est pas encore là. Mais Marie fait quoi? Il dit au travailleur, faites ce qu'il vous demandera de faire. Son temps n'était pas encore arrivé. Il avait changé l'eau en vin ou il n'avait pas changé? Il avait changé. Au temps convenu ou bien les temps... Influencé par Marie. Donc l'homme est capable... Je suis prédicateur, papa Alain. Bientôt, je vais commencer à passer comme papa Banca. Posons les fondements. Avalons les rouleaux. Ça fait 21 ans que je prêche. Pas que je suis chrétien, mais que je prêche. Non, mais ça, c'est super. Je vais tout simplement provoquer cette petite motivation, exhortation par rapport à vous qui nous suivez d'ailleurs. C'est possible de provoquer sa saison. C'est possible, très possible. Très possible. En fait, vous pouvez regarder droit à la caméra de Gédéon. Ouais. Face à cette femme qui se sent désespérée, pour elle, elle s'est dit non, c'est fini. L'année passée, Simba quitté. L'année coulée, ça n'a pas marché. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que mon problème persiste. Moi, je ne sais plus quoi dire. Donc, je n'attends que le Seigneur puisse monter la vie. Et cette femme-là est en train de vous suivre. Cet homme-là est en train de vous suivre. Qu'elle dit. Moi, c'est fini. Je suis en Europe sans papier. Donc, c'est fini. J'ai tenté à plusieurs reprises. D'ailleurs, à un moment donné, je dois quitter. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes? Job a dit, mon rédempteur est vivant. Et il s'élève toujours les derniers. Votre rédempteur est vivant. Tout ce que je peux dire, le rédempteur est vivant. Et puis, écoutez, celui qui est assis à la droite, c'est un homme. Moni, celui qui est assis à la droite du Père, c'est un homme. La Bible dit que Jésus est allé s'asseoir à la droite du Père après qu'il ait vécu sur la terre. Il a connu la souffrance. Il s'est exilé en Égypte pendant qu'Hérode cherchait à les tuer. Donc, aïe bingunda. Des humiliations et tout. Aïe biba humiliation. Il connaît tout ce que tu es en train de vivre. Jésus, dans la chair, a vécu ces choses. Et c'est comme ça qu'il est allé s'asseoir à la droite du Père comme étant intercesseur. Je connais, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est la souffrance là. Je sais ce que c'est avoir le dos courbé. Je sais ce que c'est être sous l'emprise du diable. J'ai vécu sur la terre, je sais. Il a vécu des humiliations. Il a vécu ça. Il a vécu ça. Qu'est-ce que Jésus n'a pas vécu? Ça c'est super. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout à travers le monde, nous allons prendre la toute dernière partie. Ne désespère pas. Amen. Tiens bon, bientôt. Il y a une dame d'ailleurs en passant, elle est en Belgique, peut-être qu'elle va suivre cette émission. Cette dame avait des problèmes de papier, elle m'a appelé, je ne sais pas, elle m'avait trouvé sous quel pied. Elle m'a appelé, elle m'a dit j'ai des problèmes de papier, prophète. Je lui ai donné la date. Si vous regardez sur mes publications, sur ma page, vous allez voir les témoignages de la femme. Je crois que c'était un certain 23. J'ai donné la date du 23, le 23. Il dit non, je n'ai pas rendez-vous. J'ai dit le 23.
Et c'était... Elle, elle ne voyait pas le rendez-vous. Mais non. Vous étiez en train de voir le rendez-vous. Dieu m'a dit, le 23, tu auras tes papiers. Et le 23, elle a eu le papier. De la date que je donnais. Pourquoi? Parce que Dieu me l'avait dit. Je n'ai pas inventé, je n'ai pas provoqué. Dieu me l'a dit. Moi, quand Dieu n'a rien dit, j'ai le courage de dire, Dieu n'a rien dit. Cela ne me fera pas de moi un moins prophète ou un grand prophète. Je resterai prophète. Pour ceux qui pensent que je suis prophète, je suis prophète. Pour ceux qui pensent que je suis leur petit frère, je suis aussi votre petit frère. Donc, voilà. Merci. D'accord, mon oncle. Nous prenons l'événement. Le 4 juillet, bien sûr, c'était prévu à Chaubeuse. Alors, tout à l'heure, avec le prophète, nous aurons plusieurs détails en ce qui concerne cette date. Déjà, la date est toujours confirmée. Je dis bien confirmée. Qu'il pleut ou qu'il neige, le 4 juillet, on va prier. Il y aura collecte de fonds. Donc, le 4 juillet, il y aura, tout le programme sera au point. Alors, nous aurons les détails. Homme de Dieu, vous avez, vous étiez en contact avec l'hôtel de ville. C'est quoi le résultat de la lettre? Bon, après tout ce qui se passe aujourd'hui, l'hôtel de ville ne nous a pas permis de faire l'activité à Chaubeuse. Et on nous a donné un certain nombre de personnes qu'il faudrait faire avec. Je ne vois pas un Congolais qui dira qu'il ne il va pas venir. Ou bien, on parle de 20 ou 50. 20 ou 50 personnes. Okay. Donc, je ne me vois pas dire, je vois une foule, je dis 20 personnes seulement, Bokota. Je ne saurais pas faire ça étant pasteur. Donc, ce qu'on va faire, l'activité aura lieu à l'église. Les 4 juillet, on avait prévu qu'on allait prier pour la nation. Les 4 juillet, nous allons prier pour la nation. Mais l'activité aura lieu à l'église. À l'église Emmanuel Rafa, à Mimosa. Mimosa, arrêt pharmacie, l'église en étage. L'activité aura lieu à l'église. Le même dimanche 4 après-midi, à partir de 15h, l'activité aura lieu à l'église. Comme on n'a pas interdit le culte, on a interdit les manifestations. Nous, on va faire notre culte et on va prier pour la nation. Ça sera un culte, mais la particularité, nous allons prier pour la nation. Donc, on a introduit quand même la lettre. L'hôtel de ville sait qu'il y aura une réunion de prière en ces jours-là. Et puis, les autorités savent qu'il y aura prière. Donc, c'est un culte. Ça sera à l'église Emmanuel Rafa. Je répète, c'est à Mimosa, arrêt pharmacie. Venez. Juste à l'arrêt pharmacie, il y a encore une avenue ou il y a... Non, juste sur la grande route, arrêt pharmacie, okay. L'église en étage. Ok, au premier niveau. Au premier niveau, okay. Voilà. Venez, on va célébrer notre Dieu, on va prier pour les phares d'essai, on va prier pour la veuve des guerres, on va prier pour l'orphelin des guerres, on va prier pour les blessés des guerres. Et puis on va récolter le fonds, on va acheter ce qu'on va acheter ici, et d'autres, on va remettre les enveloppes. Ne vous inquiétez pas, on ne donnera pas l'argent à un bourgmestre. On va remettre l'argent. Sobosa Moulongo, il y aura, on va remettre à main propre les enveloppes. Ce que les gens ont donné en nature, on va aussi aller avec. On va acheter des kilos à l'aéroport, comme ça se passe toujours. On va tout amener, mais, et on verra sur place s'il y aura des choses à acheter. S'il n'y a pas, on va remettre les enveloppes à la population. Mais déjà, on va acheter plus de 1000 pannes. 1000 pannes, et puis bon, on va aller voir, hein, s'il faut aller même jusqu'à 2000 pannes. Les pannes peuvent nous accompagner. Et puis on va distribuer aux mamans d'abord qui ont subi des viols, qui ont tout subi là. Tuer la femme d'un ministre, tuer la femme d'un député, tuer la femme d'un sénateur. Des femmes comme toi ont été violées à l'est du pays à cause de ces pays. Donc, n'aie pas un cœur de roc. Mets la main dans la pâte, contribue avec tout ce que tu peux avoir. Qu'on aille rendre visite à ceux qui sont de l'autre côté. On ira à l'est, comme je l'ai dit tantôt, on sera l'activité, on parle de l'activité, on va aller à Ituri. Et puis Beni, peut-être Goma aussi, Goma. Pour voir le genre de volcan et prier pour le sol, prier pour l'eau et tout, pour les lacs et tout. Ça viendra quand on sera là-bas. Mais d'abord, si tu suis cette émission, n'est pas un cœur rock, n'est pas un cœur Motema Libanga de Tolobaka.
met la main dans la pâte. Il y a beaucoup, on ne résiste pas. Ne résiste pas. Il y a beaucoup qui ont contribué. On a reçu 50, on a reçu 20 dollars, on a reçu 10 dollars, on a reçu 20 000 francs, on a reçu 100 dollars, on a reçu 500, on a reçu 200. Continuez à participer. On va aller avec toute une délégation. On sera là-bas. On va prier aussi avec eux là-bas sur place. On va faire une activité de prière à Beni, à Ituri. Et puis, on va aller à Goma aussi. Donc, avant d'aller à l'est, on va aller à Lubumbashi pour faire aussi récolter ce qu'on pourra récolter là-bas, l'épargne, l'argent et tout ce qui, pour ceux qui sont à Lubumbashi. Ils m'ont demandé de venir sur place. Je voulais envoyer quelqu'un. Ils ont dit non, ils veulent aussi voir le prophète, ils veulent aussi échanger avec moi. Je crois, si vous êtes dispo, je vais aller avec vous. Merci, on va partir ensemble. Pour que les enfants de Dieu ont donné de leur argent, voient les images. On va aller à Lubumbashi après le 4 juillet, la semaine qui suit. On sera à Lubumbashi, on va faire aussi les récoltes. Et puis, on rentre à Kinshasa, de Kinshasa, destination est du pays. Donc, je répète pour ceux qui nous suivent, l'activité n'est pas annulée, mais l'activité ne sera plus à Chaubeuse, mais l'activité sera à Emmanuel Rafa. Mmh. Emmanuel Rafa, c'est l'église où dirige le prophète Fulgence. L'activité sera là-bas chez nous. On est en train d'arranger ce qu'il y aura à arranger pour que l'activité se passe dans de bonnes conditions. Voilà. Effectivement, merci beaucoup. D'ailleurs, il y a des gens qui insistent pour le live. Je crois que nous allons, c'est vrai, on va répondre. On devait commencer aussi à proposer des prédications avec vous, bien sûr, de prières, de moments forts. Mais jusque-là, c'est vrai, il y a encore deux faux. Parce que jusque-là, nous avons perdu nos matériels. On est en train de se battre petit à petit. Je ne sais pas, les gens insistent sur le live, prophète. Bon, on est en train de se battre aussi. Hein. Il faut qu'il y ait live, papa. Là. Il faut qu'il y ait live. Il faut qu'il y ait live, il faut qu'il y ait live. Les gens sont en train de nous suivre. Et moi, je sens que Dieu a suscité des gens qui sont en train de nous accompagner dans cette vision. Parce que cette vision, moi, je viens ici en moto. Cette vision n'est pas pour Alain Dele, pour le prophète Fulgence, mais c'est pour le Congo. Oui, c'est pour le Congo. Alors, les gens qui aiment le Congo, qui seront touchés par cet appel, je le fais peut-être. Le matériel qu'on est en train d'utiliser, ce n'est pas le matériel qu'on a l'habitude d'utiliser quand je suis ici. Il y aille ce qu'il y aille, on va se battre, on va se battre pour que les quatre y aient live. Il nous reste une semaine. Dans un premier temps, peut-être on va louer le matériel pour l'activité, mais on va partir à l'est. Pour partir à l'est, on doit aller avec nos matériels. Matériel de location, ça sera impossible qu'on aille avec. Donc, on va voir. Je crois qu'il y aura des gens qui seront touchés, qui voudront bien nous aider à acheter des matériels. Et c'est ces mêmes matériels qu'on va amener à l'Est, ce sont les mêmes matériels qu'on va amener à Lubumbashi et ce sont les mêmes matériels après l'activité du CAF. Comme on s'était dit, on aura un contrat maintenant. Je vais commencer à faire des lives toutes les semaines, au moins deux fois par semaine, live à téléphone ouvert. Comme ça, les gens qui sont à la diaspora peuvent m'appeler et poser des questions en ligne et peuvent appeler pour donner leur sujet et peut-être prophétiser en direct en ligne comme ça parce que Dieu n'est pas limité. Il y a beaucoup de prophéties que j'ai données pendant les lives. Et pendant les lives, si vous suivez mes lives. D'ailleurs, j'ai même eu à prophétiser pour un monsieur qui était en route pour aller sacrifier son enfant. On l'a appelé. Dieu nous a donné son numéro de téléphone. On l'a appelé. Et le monsieur a témoigné. Aujourd'hui, le monsieur prie chez nous à l'église. Vous comprenez? Je ne peux pas citer le nom ici. Il prie chez nous à l'église et il a donné sa vie à Jésus-Christ. Donc, on est là pour Dieu. Et vraiment, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites. Continuez à soutenir cette vision. On a beaucoup de besoins. On a beaucoup de besoins. On compte voyager avec une délégation de 10 personnes. Les billets, tout ça, on est là pour la nation. Donc, si tu aimes ces pays, nos portes sont ouvertes. Contribue. Il y a des gens, j'attends quelqu'un dire, moi je prends le billet de toutes les 10 personnes pour l'est du pays. J'attends quelqu'un dire, moi je prends les cargos. Ce qu'on va passer sur cargo, là, si on a cet avantage d'avoir les cargos, là c'est facile. On peut acheter des sacs de riz, des sacs de maïs, on amène avec nous à l'est du pays. Maintenant, on ne sait pas amener parce qu'on s'est dit, avec toutes ces charges, l'argent qu'on doit payer, le fret et l'argent de nos billets à nous-mêmes, les séjours là-bas, ça sera très compliqué.
Donc, les gens qui nous suivent, les gens qui ont promis, il y a des gens qui ont promis. On est à jour J-7. D'ailleurs, aujourd'hui, ce n'était pas prévu que je tourne l'émission. Je faisais le sport. Et quand on m'a appelé, on m'a informé que l'hôtel de ville autorise 20 à 50 personnes. Donc, je me suis senti, j'ai dit ça, ça vaut pas la peine. Tant mieux le faire à l'église, on est chez nous, on est à l'aise. Donc voilà, bien qu'on va respecter les gestes et les barrières, il y a une équipe de la police qui va nous accompagner à l'église pour veiller à ce que les gestes et les barrières soient respectés. Donc de ce côté-là, déjà, si tu veux aussi venir, viens avec les cache-nez. Mais sinon, l'organisation, on a prévu aussi 1000 cache-nez au cas où quelqu'un viendra. Il n'a pas de cache-nez, on va acheter 1000 cache-nez. Il y a beaucoup de choses qu'on a prévues, des flashs, thermoflash pour prélever les températures et tout. On a déjà tout arrangé. Donc, on attend que l'argent soit là pour bien faire les choses. Merci beaucoup, prophète. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Vous avez besoin de prophète, vous voulez le soutenir, soutenir ce passage à la télé, soutenir tout ce qu'il est en train de faire et aussi participer par rapport à ces grands événements. Donc, déjà, vous pouvez appeler le prophète, plus 243 422 50 60 70 ou 70 8 à la fin. Donc, je répète, plus 243 82 50 60 708 708. Donc voilà, c'est le numéro, vous pouvez l'appeler. Alors au cas contraire, en tout cas insister, je crois. Merci à vous qui appelez d'ailleurs. Donc nous sommes ensemble, on est là. Lorsque le prophète n'est pas là, en tout cas, calmez-vous. Vous pouvez appeler, je vous dirai s'il est là ou il n'est pas là. Parce que le temps, quand même, qu'on puisse arranger cela. Donc, juste après l'événement, il y aura peut-être quelques numéros qui vont communiquer. Si, au cas où vous le loupez sur son numéro propre, vous pouvez aller encore sur des autres numéros. Merci beaucoup à vous, homme de Dieu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est vrai que on vous a pris à pied levé. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve tous. Le 4 juillet, bien sûr, à Emmanuel Rafa Church, au commune à Kitambo Magasin. Arrivé sur le rond-point Kitambo Magasin, il y a des taxis qui vont à pompage ou taxi bis qui vont à pompage. Parlez déjà au chauffeur, dites-le, faites-moi descendre sur Mimosa, arrêt pharmacie. Arrêt pharmacie, dès que le véhicule s'arrête, regardez à votre gauche. Donc vous verrez l'immeuble qui est là, une maison en étage. Au premier niveau, vous verrez, c'est écrit Emmanuel Rafa Church. Déjà, c'est peint en fait. Le premier niveau là, tout est peint en Emmanuel Rafa Church. Merci beaucoup à vous. On se retrouve très très prochainement. Merci également. On a bande cognon surtout. Soutenarabiso, Bazaranabiso et Longo. On se retrouve très très prochainement. Bye bye. Au revoir. WS Prod présent la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Il signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura PIV, ils seront à l'affiche au centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser!